arbres de paralysie, les arbres de médiocrité, les arbres de médisance, de haine, de jalousie, de maladie. Père éternel, pendant que ta parole sera déclarée, que toutes ces plantes soient déracinées dans le puissant de Jésus. Quand Jésus part, le Saint-Esprit, c'est-à-dire un autre paraclet, un autre Jésus, qui n'est que Jésus, qui viendra en nous, mais qui ne sera pas physique avec nous, mais qui viendra maintenant habiter en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant là. Prenons soin. Ayons la responsabilité. L'âge de 12 ans. Il est passé roi à l'âge de 32 ans. Donc il a fait 20 ans. 20 ans d'attente. 20 ans de patience. Mais Dieu voulait que David atteigne l'excellence dans ce qu'il faisait. Toi, tu as une promesse. Comporte-toi bien dans ta promesse. Dans l'attente de ta promesse. Verset 8, que tu béniras notre départ comme notre arrivée. Tu es avec nous. Maintenant que nous avons écouté ta parole, laisse que tu restaures nos âmes. Que tu transformes nos âmes au travers de cette parole.
Que tu relèves notre foi, Père, par cette parole. Au sortir d'ici, Père éternel, réveille, Père éternel, tes enfants, afin que la nature de ton Fils Jésus-Christ se manifeste dans leur vie. Je déclare les effets de ta parole dans leur vie. Je déclare la puissance de ta parole dans leur vie. Laisse, Père éternel, que ta grâce surabonde dans leur vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communication du Saint-Esprit, notre Consolateur, soit avec tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons trois fois Amen tous ensemble. Amen. 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 Nous acclamons pour les autres. Bon week-end à tous. Partez avec cette force.